JT1, édition spéciale. Paris, rue de Varenne. Depuis très tôt ce matin, la rue est en ébullition. Elle a été interdite à la circulation, mais elle n'a jamais été aussi empruntée. Aujourd'hui, 3 mai 2017, à l'Institut culturel italien, on attend le vidéaste qui est en charge de renseigner les artistes qui viendront à l'hôtel de Galifet au cours du mois de mai. Il va filmer les événements et la vie à l'intérieur de l'Institut. Il arrive tout juste d'Italie. De ses supporters se mêlent aux forces de l'ordre et aux journalistes du monde entier, tous aussi impatients d'assister à ce moment rare. La tension ne cesse de monter. On murmure que l'hôte est déjà à Paris, il y a quelques minutes, à peine. Son arrivée est imminente. Ça y est, la voiture et son escorte sont en train d'arriver. Ils se garent devant l'ambassade. Et finalement, le vidéaste entre dans l'Institut culturel italien. L'artiste résident est enfin là. Le physique disparaît après la première. La plus grande souffrance.